Salut les Blue Dots, j'espère que vous allez bien cette semaine. Aujourd'hui, l'actualité du 16 août 2021. La compagnie Intuitive Machine donne un nouveau contrat à SpaceX. La NASA recrute des candidats pour un an. Perseverance échoue dans sa première tentative de collecte de roches. Les combinaisons spatiales ne seront pas prêtes pour 2024. Et que se passe-t-il du côté du Starship de SpaceX cette semaine? Alors, l'actualité spatiale, ça commence maintenant. Le développeur d'atterrisseurs lunaires commerciaux Intuitive Machine lancera sa troisième mission d'atterrisseurs lunaires sur un SpaceX Falcon 9. Le même véhicule que la compagnie a sélectionné pour ses deux premières missions d'atterrisseurs. Intuitive Machine a annoncé le 10 août que sa mission d'atterrisseur IM3 serait lancée sur un Falcon 9 en 2024. L'atterrisseur Nova C transportera jusqu'à 130 kg de charge utile sur la surface lunaire. La société avait précédemment sélectionné SpaceX pour lancer ses missions d'atterrisseurs IM1 et IM2, dont le lancement est actuellement prévu au premier et quatrième trimestre de 2022, respectivement. Les deux premières missions d'atterrissage d'Intuitive Machine exécutent des ordres de mission pour la NASA attribués dans le cadre de son programme Commercial Lunar Payload Service, ou CLPS. Cependant, IM3 n'est lié à aucune mission CLPS. La mission a un manifeste ouvert pour les clients commerciaux et civils. En plus des charges utiles sur l'atterrisseur, la société affirme qu'elle pourra transporter jusqu'à 1000 kg de charges utiles secondaires attachées à un anneau de distribution. Ces charges utiles seraient déployées sur une orbite de transfert lunaire à partir de laquelle elle pourrait manœuvrer vers l'orbite lunaire ou d'autres destinations. L'énorme succès se poursuit donc pour SpaceX dans l'obtention de contrats pour des missions d'atterrisseurs lunaires. Sur les 6 contrats décernés par la NASA à ce jour, toutes sont lancées sur des véhicules SpaceX Falcon 9 ou Falcon Heavy. N'oubliez pas que c'est justement SpaceX qui a remporté un prix de 2,9 milliards de dollars de la NASA en avril pour développer une version de son véhicule Starship pour le programme Human Landing System de la NASA, qui effectua une mission de démonstration pour faire atterrir des astronautes sur la Lune lors de la mission Artemis 3 dès 2024. La NASA recrute des candidats pour une mission d'un an sur la planète Mars. Évidemment, il ne s'agit que d'une simulation. La mission devrait débuter à l'automne 2022. Elle a pour but d'étudier la motivation, le comportement des personnes retenues, mais aussi la prévoyance et la résolution de problèmes qui pourraient survenir au cours d'une expédition sur la planète rouge. Les participants devront séjourner dans un habitat de la taille d'une maison nommée Mars Dune Alpha. Il sera équipé d'une cuisine, d'une infirmerie, d'une pièce de loisirs et d'entraînement physique, de bureaux et de toilettes. La mission devrait comporter de nombreux obstacles, manque de ressources, bris d'équipement et communication en différé. Des sorties spatiales simulées et des expériences scientifiques avec robots sont au programme. La NASA considère les candidatures de personnes détenant une maîtrise en sciences. De plus, les candidats doivent avoir piloté un aéronef pendant au moins 1000 heures. L'Agence spatiale américaine cherche des personnes âgées de 30-55 ans, non fumeuses et en bonne santé. Au total, 3 missions analogues auront lieu entre 2022 et 2025. Les données transmises par le rover Perseverance vers la Terre indiquent qu'aucun échantillon a été récolté lors de la première tentative de prélèvement rocheux sur Mars. La mission a décollé de Floride il y a un tout petit peu plus d'un an. Le module qui fait la taille d'un gros SUV s'est posé le 18 février dans le cratère de G0, dont les scientifiques pensent qu'il abritait un profond lac il y a 3,5 milliards d'années. Un environnement qui aurait pu créer les conditions nécessaires à une vie extraterrestre. La NASA prévoit une mission chargée de ramener les échantillons sur Terre dans les années 2030, afin qu'ils soient analysés par des instruments bien plus sophistiqués que ceux pouvant être apportés sur Mars à l'heure actuelle. Le rover Perseverance a échoué dans sa première tentative de prélever un morceau de roche sur Mars, le premier de la trentaine d'échantillons devant être rapportés sur Terre dans plusieurs années pour y être analysés. L'Agence spatiale américaine avait publié plus tôt dans la journée des photographies montrant clairement à côté de l'ombre du véhicule un petit monticule avec un trou en son centre.
C'était le premier trou creusé par le robot sur la planète rouge. Mais les données transmises par l'engin vers la Terre indiquent qu'aucun échantillon n'a été récolté dans cette première tentative de prélèvement rocheux. Le processus de collecte d'un échantillon de la taille d'une craie et scellé dans un tube hermétique doit prendre environ 11 jours au total. Le but est de chercher des signes de vie ancienne, comme des traces de vie microbienne fossilisées dans les roches, mais aussi mieux comprendre la géologie martienne. Mais où est passée la fameuse carotte? Cette question trottait dans la tête de tous les membres de la mission martienne Persévérance depuis le 6 août 2021, lorsque le rover a prélevé les échantillons au sol martien. Comme en attestaient les images, le forage a bien eu lieu jusqu'à 8 cm de profondeur comme prévu. Lorsque les équipes ont voulu examiner les fragments récoltés, le tube censé les contenir était vide. La roche était trop friable pour former une carotte. Le forage n'a donné que de la poudre ou des grains, qui se trouvent sans doute au fond du trou, ou bien dans les déblais autour. Le matériel du rover a fonctionné, mais la roche n'a pas coopéré. Désormais, le rover se déplace vers la zone South Saita, où selon les repérages effectués par le petit hélicoptère Ingenuity, la roche devrait être plus compatible avec le carottage, tout de moins en théorie. Cette mésaventure rappelle que la mission Persévérance reste une exploration. Malgré le tube vide, cette première campagne reste un petit succès car la science et l'ingénierie ont progressé. La première séquence autonome complète du système d'échantillonnage sur Mars dans les contraintes de temps d'un seul sol, soit 24 heures 40 minutes environ, a été complétée. La prochaine tentative de récolte d'échantillons aura lieu début septembre 2021. La semaine dernière, l'inspecteur général de la NASA conclut que les combinaisons spatiales dont les astronautes auront besoin pour marcher sur la Lune ne seront pas prêtes à temps pour atteindre un objectif d'alunissage en 2024. Dans un rapport du 10 août, le bureau de l'inspecteur général de la NASA a déclaré que la combinaison spatiale de nouvelle génération que l'agence développe pour le programme Artemis, connue sous le nom d'Unité de mobilité extravéhiculaire d'exploration, le XEMU, ne sera pas prêt pour le vol avant au moins avril 2025 et peut être sujet à d'autres retards. Il a toutefois ajouté que d'autres facteurs tels que les retards dans le développement du système de lancement spatial d'Orion et du système d'atterrissage humain HLS empêcheront également un atterrissage en 2024. Et que se passe-t-il du côté du Starship de SpaceX cette semaine? Deux semaines après la spectaculaire mise à feu statique du booster B3, les équipes de SpaceX se sont lancées dans ce qui semble être une véritable course contre la montre pour finir le chantier de la Star B à Boca Chica. Par un beau lever de soleil, les ouvriers ont placé la dernière section du mécano géant qui culminera bientôt à 146 mètres de hauteur. Dans les semaines qui viennent, l'immense structure de métal sera complétée par les éléments du tant attendu système de récupération du booster Super Heavy. La récupération se fera sur le côté de la tour afin d'éviter d'endommager le pas de tir en cas de problème. Pour rattraper le booster de 69 mètres de hauteur en douceur, les deux bras articulés seront capables d'ajuster leur hauteur grâce à un système de câbles et de poulies. Les bras de la tour ont été surnommés les Chopstick Catching Round ou les baguettes chinoises en français, une idée tirée du film Karate Kid. Lors de l'arrivée, le Super Heavy devrait peser entre 160 et 200 tonnes, selon la quantité de carburant restant. Pour optimiser le poids du booster, plusieurs éléments des prochains prototypes seront allégés, comme par exemple les batteries qui actionnent les fameux grid fins. Contrairement à ceux de la Falcon 9, les ailerons aérodynamiques du booster ou les grid fins ne sont pour le moment pas rétractables car cela nécessiterait l'ajout d'un mécanisme supplémentaire dont on n'a pas besoin. La Super Heavy peut compter sur les fameux moteurs Raptor. Depuis le vol de la SN15, leur fiabilité semble meilleure et l'entreprise travaille déjà sur une seconde version, le Raptor 2, développé en Californie, qui pourrait être testé d'ici un mois, tandis que le site de MacGregor se concentrera sur la production massive des moteurs afin de livrer 800 à 1000 unités par année. Les bâtiments d'assemblage du Starship se situent à environ 3 km du pas de tir orbital. Les équipes de SpaceX se sont lancées dans une véritable course contre la montre pour préparer le premier test orbital du Starship. Un an après le début du chantier,
Elon Musk a annoncé le début d'un nouveau chantier pour construire un deuxième bâtiment d'assemblage géant à Boca Chica, puisque sa configuration actuelle ne peut assembler que deux véhicules à la fois. Un nouveau bâtiment ne sera donc pas trop pour poursuivre les tests du Starship, accélérer sa production et développer ses nouvelles variantes comme le futur atterrisseur de la mission Artemis 3, une version habitée, deux versions cargo et une version ravitailleur qui permettra les futurs voyageurs vers la Lune et Mars. Pour survivre à sa rentrée atmosphérique au large de l'archipel hawaïen, tout un flanc du vaisseau est équipé d'un TPS, un Thermal Protection System. C'est des tuiles en céramique qui sont capables de résister à des températures avoisinant les 1000 à 3180 degrés Celsius. Présentement, 98% des tuiles sont assemblées. Il va rester des endroits plus difficiles à découper. Depuis vendredi dernier, une nouvelle page de l'histoire de la conquête spatiale semble s'écrire sous nos yeux et Elon Musk fait un pas de plus vers son rêve de faire de l'homme une espèce interplanétaire. Wow! Ça complète l'actualité spatiale du lundi 16 août. J'espère que vous avez apprécié. Si vous avez apprécié, pouce bleu, partagez la vidéo. Merci d'avoir été avec nous. Et n'oubliez pas de lever les yeux au ciel parce qu'il y a encore beaucoup de perséides. Et le futur, ça commence maintenant. On se voit lundi prochain!